Mr. Speaker, thank you very much. Not only did you introduce already projects into the discussions, but also some of the tools that will be discussed on the last day. You talked about a FIPA. Here in Canada, we speak with acronyms. We don't like long terms. So a FIPA is a Foreign Investment Protection Agreement. We have a DTA. It's not a detergent. It's a double taxation avoidance agreement. We have to avoid that. And there are many other tools. Before giving the floor to our other speaker, the Honorable Minister from Cameroon, I would like to recognize two people in the Assembly. First is my colleague, who told me I look younger since I retired. Maybe that's the wrong word to say, but I would like to recognize His Excellency David Osher, the Canadian Ambassador to Ethiopia. And I would also like you to recognize the guy who support me in my job, sometimes tell me what to do, sometimes bring other people to tell me what to do, our chairman of the board, Mr. Benoit Lassalle. And now I would be pleased to invite Monsieur le Ministre Mortaz de la République du Cameroun. Et ce qui est intéressant, c'est que Monsieur le ministre travaille avec un ami à moi depuis très longue date, car c'est avec lui que j'ai commencé ma carrière avec une spécialisation africaine. Alors, Monsieur le ministre, si vous voulez bien nous dire quelques mots. Yeah, dear Mr. Gauthier, Senator, distinguished guests, ladies and gentlemen, I hope the translation system is ready, because you have understood that some people speak French, others speak English. I am one of those who speak only French. So permit me to express myself in French. Bien, mesdames et messieurs, le Cameroun est très fier d'être parmi vous aujourd'hui. Lorsque j'ai suivi mon frère, le ministre éthiopien, parler, j'ai reconnu certaines des problématiques qui sont celles qui concernent également le Cameroun, c'est-à-dire des pays jeunes, des pays qui ont longtemps souffert de maux divers, dont le plus fort est peut-être la pauvreté, mais des pays qui veulent également se battre, qui sont prêts à se battre et qui sont donc ouverts à la coopération, c'est-à-dire qui sont ouverts à tout ce qui est, et nous pensons que tel est le cas du Canada, tous ceux qui veulent les aider à s'en sortir. Le Cameroun est dans cette situation, un pays qui a été longtemps endetté et qui, grâce à la coopération internationale, a vu une partie de sa dette effacée. La dette ayant été effacée, cela a donné des marges de manœuvre à l'économie pour faire autre chose. Et l'autre chose, c'est la recherche d'une croissance beaucoup plus forte pour créer des emplois et pour lutter durablement contre la pauvreté. Si nous sommes ici au Canada aujourd'hui, et nous remercions encore une fois nos amis qui nous ont appelés, si nous sommes au Canada, c'est parce que nous voulons nous ouvrir à tous ceux qui sont prêts à nous aider dans ce sens. Le Canada, heureusement, fait partie de ces pays-là, parce que ce n'est pas aujourd'hui seulement que nous allons entretenir des relations avec le Canada, c'est des relations qui sont déjà assez longues. Et nous avons la chance qu'il y a quelques années, et ça va encore se faire en décembre cette année, une mission canadienne va venir au Cameroun dans ce que nous appelons là-bas Promote, pour essayer de voir quelles sont les opportunités d'affaires. Le Cameroun est un bon risque.
tous mes amis, tous mes collaborateurs, tous les membres du gouvernement qui sont avec moi ici auront l'occasion de vous le dire. Le Cameroun est un bon risque, le Cameroun est un pays ouvert, le Cameroun est un pays qui a signé avec le Canada un certain nombre de protocoles, notamment pour la protection des investissements. Ça veut donc dire que vous seriez les bienvenus au Cameroun. On dit souvent, et ça devient un truisme de le dire, que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, c'est-à-dire que nous sommes au confluent de toutes les végétations, de tous les climats, tout ce que vous trouvez en Afrique, vous le trouvez en concentré au Cameroun. Et comme je vous ai dit, nous sommes un pays ouvert. Nous sommes un pays bilingue, comme le Canada. Nous parlons français, nous parlons anglais. Certains parmi nous parleront anglais, d'autres comme moi parleront français. Ça veut dire que nous pensons qu'il y a déjà là des points de convergence entre le Cameroun et le Canada. C'est cette convergence que nous voulons pousser beaucoup plus loin pour que le Canada, pour que les Canadiens se sentent véritablement chez eux au Cameroun. Encore une fois, merci de nous avoir invités. Nous espérons que pendant ce séjour que nous effectuons chez vous au Canada, de bons contacts seront établis, des contacts fructueux seront noués pour que vive la coopération entre le Canada et le Cameroun. Je vous remercie. Monsieur le ministre Mortaz, de bien vouloir venir donner quelques mots. C'est lui qui va modérer la session. Alors, monsieur le ministre. Bien, bon après-midi encore une fois. La parole est donc maintenant donnée au Cameroun pour essayer de vous entretenir sur l'économie de son pays. Nous sommes ici, comme vous le voyez, déjà avec certains membres du gouvernement qui prendront la parole tout à l'heure, mais nous avons également le secteur privé avec nous. Le secteur privé qui se divise en secteur privé national, certaines entreprises qui sont au Cameroun, des entreprises camerounaises, je veux dire, et également des entreprises canadiennes qui travaillent déjà avec le Cameroun, et dont nous avons pensé qu'elle pourrait dire un mot pour parler du climat des affaires et notamment de la possibilité de faire des affaires avec le Cameroun pour que cela puisse faire une émulation en faveur des autres, en faveur de tous ceux qui seraient tentés, et nous espérons qu'ils sont nombreux de faire les affaires avec le Cameroun. Nous allons donc commencer par une partie qui est essentiellement institutionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait au Cameroun, quelles sont les lois applicables, quelles sont les potentialités, quels sont les secteurs qui sont les secteurs de prédilection de notre économie, les secteurs de concentration. Nous allons continuer toujours avec la partie institutionnelle en insistant sur un certain nombre de facilités qui sont offertes aux uns et aux autres, c'est les codes, il y a des codes sectoriels, il y a un code minier, il y a des avantages, des incitations qui sont accordées pour ceux qui veulent investir dans le domaine de l'énergie, il y a des facilités qui sont accordées pour ceux qui veulent se lancer peut-être dans la construction des logements sociaux, etc. Et enfin, comme je l'ai dit, le secteur privé va prendre la parole, que ce soit un financier qui vit avec nous au Cameroun, le DG de la Standard Bank, la Standard Chartered Bank, ou alors certaines entreprises canadiennes qui sont ici présentes. Donc, avec votre permission, nous allons immédiatement commencer avec M. Bondoma, qui est le directeur général de l'économie et qui représente ici le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Monsieur Bondo. Mesdames et messieurs, nous avons à faire une présentation sur des opportunités économiques au Cameroun. Ce n'est pas la bonne présentation qui est affichée, s'il vous plaît. Elle est intitulée « Opportunités économiques au Cameroun ». Pour ceux qui dirigent les machines. Okay, for those who
are guiding us in the PowerPoint. Could you put in place the topic on economic opportunities in Cameroon? Alors, en attendant que les équipes techniques retrouvent l'exposé, je voudrais aborder le thème autour de cinq principaux points. En premier lieu, je vais faire une brève présentation du Cameroun. En deuxième lieu, je parlerai des potentialités sectorielles de l'économie camerounaise. Ensuite, j'indiquerai les filières identifiées par le gouvernement camerounais comme étant porteuses de croissance. Quatrièmement, je présenterai quelques projets structurants qui sont à la recherche de financement ou de partenariat. Et je terminerai par le cadre incitatif à l'investissement. Alors, s'agissant tout d'abord de la présentation du Cameroun, le Cameroun, c'est un pays qui est situé en Afrique centrale, dont la superficie est de 475 000 km² environ, avec des pays voisins comme le Tchad, la République centrafricaine, le Nigeria, le Gabon, le Congo
et la Guinée équatoriale. Et ce qu'il convient de dire, c'est que parmi ces pays, il y en a qui n'ont pas un accès direct à la mer et leur commerce est en grande partie favorisé par la position géographique du Cameroun. Je pense ici notamment au Tchad et à la République centrafricaine. La population, elle est jeune, à 43% environ, pour un total de 21 millions d'habitants. Nous avons deux langues officielles, c'est le français et c'est l'anglais. Le Cameroun a une frontière maritime, comme je l'indiquais tantôt, qui lui donne une ouverture sur l'océan Atlantique et qui permet donc que certains pays qui lui sont voisins et qui sont enclavés bénéficient de cette position géographique du Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays très diversifié. On y retrouve pratiquement tous les reliefs, climats et végétations de l'Afrique. Et c'est pour cela qu'on a l'habitude de dire que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Il convient également d'indiquer que c'est un pays politiquement stable, c'est un pays où règne la paix. Et tout cela, c'est des choses qui sont de nature à sécuriser tout investisseur qui voudrait s'implanter au Cameroun. Nous utilisons le franc CFA comme monnaie, mais ce qu'il faut dire, c'est que le franc CFA est relié à l'euro dans une parité fixe. Là aussi, c'est un élément important pour tout investisseur qui permet notamment d'éviter des fluctuations de change lorsque on échange avec l'Europe. Nous avons au plan économique une remontée appréciable de la croissance économique depuis l'année 2010. Et nous avons terminé, par exemple, l'année 2013 avec un taux de croissance de 5,6%. Et il faut indiquer ici que c'est une croissance qui, depuis l'année 2010, est en nette amélioration. 2010, c'était 3,3%, 2011, 4,1%, 2012, 4,6%, 2013, 5,6%, et nous projetons pour cette année 2014 un taux de 6,1%. Les principaux produits que nous exportons, c'est le pétrole brut, le bois, la banane, l'aluminium, le cacao, le caoutchouc et le coton. Et il faut d'ailleurs dire que ici, le caoutchouc, c'est l'un des produits que le Cameroun vend vers le Canada, puisque les exportations du Cameroun en direction du Canada sont à hauteur de 70% à peu près sur le caoutchouc. Okay. Après ces généralités sur l'économie camerounaise, je vais aborder à présent les potentialités au niveau sectoriel. Et je parlerai tout d'abord de l'agriculture, avec un potentiel agricole qui est très riche et très diversifié, une surface cultivable qui est très grande, elle représente environ 85% de la superficie totale du pays, mais elle est exploitée à hauteur de 20% seulement pour l'instant. Nous avons une production agricole qui s'étend sur le vivrier, mais également sur les cultures d'exportation que je viens de citer. Au niveau de l'élevage, nous avons plusieurs régions qui sont propices
à la pratique de l'élevage, notamment l'élevage bovin et la production laitière. Nous avons également, s'agissant de la pêche, de nombreuses opportunités, et j'indiquais tantôt que le Cameroun a une très grande côte, et à partir de cette côte-là, se développent des potentialités en matière de pêche. Les forêts, ce qu'il convient de dire ici, c'est que le Cameroun a le deuxième massif forestier d'Afrique, et nous avons une loi forestière qui encourage la transformation des grumes avant l'exportation. Les mines, il y a ici aussi bien ce qu'on appelle la mine solide que la mine liquide, avec le pétrole, le gaz naturel, la bauxite et bien d'autres. Mais comme nous avons l'avantage d'avoir avec nous le ministre en charge des mines, il pourra vous entretenir plus en profondeur à ce sujet. De même, en ce qui concerne le potentiel énergétique, nous avons l'avantage d'avoir avec nous le ministre en charge de l'énergie qui vous parlera des opportunités dans ce secteur. Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que le Cameroun a le deuxième potentiel hydroélectrique d'Afrique et cela permet le développement d'un important réseau hydraulique. Au niveau du tourisme, on y retrouve également tout type de tourisme, le tourisme balnéaire, le tourisme de montagne, le tourisme de safari et le tourisme culturel en fonction de la zone dans laquelle on se trouve. Les filières porteuses de croissance maintenant, nous avons identifié un certain nombre de filières, aussi bien au plan agricole qu'au plan non agricole. Au plan agricole, les filières porteuses sont notamment la banane, la filière avicole, la filière cacao-café, la filière riz, palmier à huile et la filière caoutchouc. Et au plan non agricole, nous avons la transformation du bois, le tourisme et la filière peau et cuir. Je vais à présent indiquer quelques projets structurants dans lesquels le gouvernement est engagé, étant entendu qu'à l'entrée de la salle, vous avez dû voir un document qui est intitulé « Matrice des projets à besoin de financement » dans lequel vous allez retrouver l'exhaustivité de ces projets. Ici, il s'agit juste d'un extrait avec l'état de maturité de ces projets-là. Nous avons, par exemple, dans le domaine des infrastructures énergétiques et de l'hydraulique, ces projets qui sont affichés là, c'est des aménagements hydroélectriques pour la plupart, qui sont donc susceptibles de permettre au Cameroun d'accroître son offre énergétique. Nous avons les coûts qui concernent chacun de ces projets et nous avons essayé de les convertir en dollars canadiens. Ils sont à l'extrême droite, la colonne à l'extrême droite de la diapositive. Au niveau routier, maintenant, il y a également un certain nombre de projets qui sont à la recherche de financement ou de partenariat. Et ici, vous avez également les intitulés des projets, ça c'est des projets routiers, avec l'état de maturité, notamment la disponibilité des études qu'il vous sera loisible de consulter si vous êtes intéressé, et une indication des coûts sur la colonne de droite. Au plan aéroportuaire, portuaire et ferroviaire, il y a également quelques projets qui sont listés, avec une indication de leur coût en dollars canadiens. Au niveau minier, c'est le même exercice que nous avons fait, avec notamment les questions relatives à l'usine d'engrais chimiques et la liquéfaction du gaz naturel. Les aménagements sociaux et urbains et immobiliers ont également des besoins qui sont listés là à travers quelques projets, de même que les coûts liés à chacun de ces projets. Je vais maintenant terminer par le cadre incitatif à l'investissement privé au Cameroun. Et c'est un cadre qui combine des mesures d'ordre administratif, fiscalo-douanier et foncier, mais qui, de manière particulière, s'articule autour de codes, j'allais dire, sectoriels et de lois générales.
Les codes sectoriels, il y en a trois. Il y a le code minier, le code pétrolier et le code gazier. Et j'indiquais tantôt que nous avons l'avantage d'avoir avec nous les ministres en charge de ces secteurs qui vont s'apesantir plus amplement sur les avantages qu'offre chacun de ces codes pour tout investisseur qui voudrait s'engager dans ces secteurs-là. Mais je vais donner juste quelques indications sur les autres régimes, notamment la loi qui porte régime général de contrat de partenariat, la loi sur les incitations à l'investissement privé, et tout récemment, il y a une loi sur la promotion des zones économiques qui a été votée par le Parlement. Alors, tout d'abord, s'agissant du régime relatif au contrat de partenariat, là, nous avons en phase de conception et de réalisation un certain nombre d'avantages. Nous avons, par exemple, la TVA sur les importations et les achats locaux qui est prise en charge par l'entité publique. Nous avons les taxes et droits de douane sur les équipements et matériels importés qui est également prise en charge par l'entité publique. Nous avons l'enregistrement gratuit de tous les actes et conventions. Nous avons les matériels et équipements importés pour usage provisoire qui bénéficient du régime d'admission temporaire spécial. Et nous avons des importations qui bénéficient de la procédure d'enlèvement direct et qui peuvent être dispensées d'inspection. En phase d'exploitation, nous avons une décote de 5% sur le taux de l'impôt sur les sociétés, un enregistrement gratuit de tous les actes et conventions pour les 5 premières années d'exploitation. Et il faut dire ici que l'ensemble de ces avantages fiscaux peuvent permettre d'alléger le coût total de l'investissement d'environ 25% pour le partenaire privé. La loi sur les incitations à l'investissement privé qui a été votée en 2013, en avril 2013, elle définit un certain nombre d'avantages aussi pour tout investisseur qui s'implante au Cameroun. Il y a quelques éléments là qui concernent la facilitation en matière d'obtention des visas et des titres de séjour ou permis de travail au personnel expatrié. Nous avons également des incitations fiscalo-douanières, notamment lors de la phase d'installation et lors de la phase d'exploitation. Ces facilitations concernent l'exonération, l'exemption et la réduction des droits d'enregistrement, de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes et droits de douane. Au plan financier et administratif, c'est une loi qui vous permet d'ouvrir au Cameroun et à l'étranger des comptes en devises pour effectuer vos opérations. Et ce qu'il convient de dire en termes d'application effective de cette loi, c'est qu'à ce jour, il y a 13 entreprises qui ont déjà obtenu des agréments pour bénéficier des incitations que je viens d'indiquer. Et ces 13 entreprises sont réparties entre plusieurs secteurs, le secteur de l'agro-industrie, la métallurgie et sidérurgie, les industries extractives, la chimie et l'habitat. Le Cameroun vous invite donc à investir sur son territoire. Le Cameroun, c'est un pays qui est stable politiquement. Vous y trouvez la paix sociale. Vous avez des performances économiques qui sont intéressantes. J'indiquais tantôt que pour 2013, nous avons terminé avec un taux de croissance de 5,6%. Le Cameroun est intéressant. Il y a certains Canadiens qui y sont déjà. Je pense à Rio Tinto Alcan. Je pense à SNC Lavalin. Il y a d'autres qui sont en train de s'implanter. Je pense à Blaze Energy. En dehors des Canadiens, il y a d'autres opérateurs étrangers qui y sont, Actis, Del Monte, Orange, MTN, Bolloré, etc. Nous formulons donc le vœu que le Canada et le Cameroun puissent renforcer leurs relations économiques. Et pour cela, nous vous invitons à investir au Cameroun parce que c'est un pays qui vous permet de développer vos affaires. Le ministre a indiqué tantôt, au cours du mois de décembre, nous allons abriter la 5e édition du Salon international de l'entreprise, la PME du partenariat. Ce sera précisément du 6 au 14 décembre et c'est un événement pour lequel vous êtes également invité. Il y a un site qui vous est indiqué là pour votre inscription éventuelle.
En vous remerciant pour votre attention, je voudrais néanmoins vous laisser afficher quelques sites qui vous permettent d'avoir d'amples informations sur les opportunités économiques du Cameroun. Je vous remercie. Bien, en attendant que le micro portable marche, je voudrais déjà remercier le directeur général de l'économie pour sa présentation générale. Nous allons poursuivre maintenant avec les ministres. D'abord, le ministre en charge de l'eau et de l'énergie qui va vous parler de son secteur, les projets qu'il développe à ce niveau et surtout les incitations qui sont offertes aux investisseurs potentiels. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre, chef de la délégation du Cameroun, de me passer la parole. C'est pour moi un agréable devoir d'intervenir dans le cadre de ce sommet d'affaires Canada-Afrique pour présenter, comme vient de le rappeler le ministre chef de délégation, le cadre juridique et institutionnel du secteur de l'énergie au Cameroun. Mais avant tout, je voudrais relever que le Cameroun a un potentiel en ressources hydrauliques réparties entre ses 5 bassins hydrographiques. Ces ressources sont généralement présentées en 2 grands groupes. Le premier regroupe les tributaires de la façade atlantique du Cameroun et est constitué du bassin de la Sanaga. Nous avons quelques grands fleuves tels que le Lom, le Pangar, le Djerem, la Mapé, le Mbam, etc. et des bassins des fleuves côtiers tels que le Vouri, le Nyon, le Ntem, etc. Le second groupe est constitué des cours d'eau appartenant à des bassins hydrographiques plus étendus et en particulier à 3 des 5 plus grands ensembles hydrologiques de l'Afrique. Il s'agit du bassin du lac Tchad avec le Logon, le Chari, le Mayo, du bassin du Niger avec notamment la Benoué et ses affluents dont la Kalsina et du bassin du Congo où on retrouve la Kadéi et l'Angoko. Au total, donc, si vous voulez, le Cameroun compte environ 40 000 km² de plans d'eau continentale, c'est-à-dire à l'intérieur du Cameroun, constitué de fleuves et de rivières, des plaines inondables et marais, des lacs naturels, mais également des retenues artificielles. Grâce à ces importantes ressources hydrographiques, notamment les fleuves et rivières généralement coupés de chutes et de rapides, le Cameroun dispose, comme l'a rappelé tout à l'heure le directeur général de l'économie, d'un important potentiel hydroélectrique qui représente un potentiel exploitable estimé à 20 gigawatts pour un productible moyen de 112 TWh par an. Une centaine de sites équipables ont ainsi été recensés pour une puissance cumulée pouvant atteindre 50 000 MW et plus. En ce qui concerne la petite hydroélectricité, le potentiel est estimé à 1 115 TWh avec environ 300 sites exploitables qui ont été mis à jour. Tout ceci fait du Cameroun le deuxième potentiel hydroélectrique en Afrique, après la République démocratique du Congo,
même si nos frères éthiopiens pensent que nous venons juste après eux. Mais le Cameroun est néanmoins le 18e potentiel au niveau mondial. Malheureusement, moins de 10% de ce potentiel est exploité aujourd'hui dans notre pays. En ce qui concerne les énergies renouvelables, les inventaires effectués ont également mis en évidence l'existence au Cameroun d'un important potentiel dans ce sous-secteur, ainsi que des possibilités concrètes de développement et d'utilisation de ces formes d'énergie. Nous avons le solaire, l'éolien, la biomasse, mais également la petite hydraulique. Fort donc de ce potentiel, et dans sa vision d'un Cameroun émergent à l'horizon 2035, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, adopté en 2009, accorde ainsi une place importante dans le développement des infrastructures énergétiques. En d'autres termes, la stratégie de croissance du Cameroun repose prioritairement sur une fourniture énergétique suffisante et stable. Fort de ces atouts, le gouvernement du Cameroun met progressivement en place un cadre juridique fiable et stable, en plus des incitations qui vous ont été présentées tout à l'heure, offertes aux investisseurs pour la sécurisation de leurs investissements et la densification de notre tissu industriel. S'agissant précisément de l'encadrement juridique institutionnel du secteur électrique, comme je l'ai dit plus haut, une réforme est actuellement en cours d'implémentation. Engagée depuis quelques années par le chef de l'État, Son Excellence M. Paul Biya, cette réforme a permis d'adopter un cadre juridique attractif, à l'instar de la loi sur les contrats de partenariat public-privé et surtout de la récente loi portant incitation aux investissements en République du Cameroun, dont les principales articulations vous ont été présentées par le directeur général de l'économie. La première loi est en effet ce que l'on pourrait appeler le socle juridique des interventions des investisseurs qui peuvent se faire en mode BOT, construction, exploitation et transfert, ou suivant tout autre mécanisme connu en matière de financement, de réalisation et d'exploitation des infrastructures d'intérêt public par les investisseurs privés. La deuxième loi, quant à elle, instaure un régime fiscal, douanier, financier et comptable spécifique, stable et particulièrement avantageux pour tous ceux qui veulent investir au Cameroun dans le secteur de l'énergie. Au rang des instruments juridiques figure également la nouvelle loi régissant le secteur de l'électricité qui a été promulguée le 14 décembre 2011 et qui entend garantir un accès non discriminatoire à l'électricité aux consommateurs et assurer la protection de leurs intérêts. Mettre à la disposition des populations du Cameroun une énergie de bonne qualité et à moindre coût. Encourager la participation du secteur national, du secteur privé national et international au développement et à la production de l'hydroélectricité au Cameroun. Développer de façon durable le potentiel hydroélectrique du Cameroun dans le respect des normes environnementales et sociales. Développer de façon durable le potentiel hydroélectrique du Cameroun. Cette loi ouvre désormais le segment de la production aux producteurs indépendants d'électricité qui peuvent développer, construire et exploiter les centrales électriques et vendre l'énergie soit aux concessionnaires de services publics, soit aux industriels via le réseau public de transport d'électricité. Cette ouverture concerne également le segment de la distribution de l'électricité avec la possibilité désormais d'accorder des autorisations à des opérateurs qui en font la demande sur les parties du territoire national non encore desservies par les réseaux du concessionnaire de services publics.
Cette loi autorise également l'importation et l'exportation d'énergie électrique par des opérateurs indépendants, sous réserve que leur contrat soit conclu dans le respect des accords existants entre le Cameroun et les pays concernés. C'est également le cas du nouveau code gazier aval, qui a été promulgué le 19 août 2012 et qui a pour avantage de prévoir des mesures incitatives devant attirer des investissements dans cet important secteur, notamment en matière de valorisation de nos importantes ressources de gaz naturel. Par ailleurs, dans le cadre de la promotion de l'intégration régionale et des solidarités entre les États, le Cameroun envisage à moyen et à long terme l'interconnexion électrique en vue des échanges d'énergie avec les pays voisins tels que le Tchad, la République centrafricaine et la République du Congo dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale, notamment à travers le pôle énergétique de l'Afrique centrale et le pôle énergétique de l'Afrique de l'Ouest, avec une vision de développement concerté de façon à optimiser les bénéfices économiques pour chaque pays impliqué. Pour terminer, je voudrais dire qu'au Cameroun, notre vision de l'émergence en 2035 a induit l'implantation de plusieurs projets en ce qui concerne les ouvrages de production et de transport d'électricité par grands réseaux ainsi que les infrastructures d'électrification rurale. Le besoin urgent pour le Cameroun est de porter la production actuelle, qui est d'environ 1300 MW, à 3000 MW à l'horizon 2020. À plus long terme, il s'agira pour notre pays d'atteindre une production électrique de 7000 à 10 000 MW à l'horizon 2025, devant permettre de soutenir le développement économique et industriel et faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. Pour notre part, le gouvernement du Cameroun va poursuivre la mise en place des mesures incitatives en termes de compétitivité notamment. Je vous remercie pour votre aimable attention. Oui, en votre nom, je vais... Monsieur le ministre, je voulais signaler votre présence parce que, avant de passer la parole au ministre des Mines, je voulais dire que nous avons le plaisir d'avoir avec nous notre frère du Gabon, qui est le ministre des Mines. Il s'est levé, si je peux le prier, de se lever maintenant pour... Et nous sommes d'autant plus fiers de l'avoir avec nous, et il le sait bien que la CEMAC a développé ce qu'on appelle le programme économique régional pour essayer de mutualiser les efforts et les actions de tous les pays de la CEMAC. Et il sait bien que le domaine des mines fait partie de ces priorités que la commission de la CEMAC a développées. Donc, encore une fois, monsieur le ministre, vous savez que quand vous êtes au Cameroun, c'est comme si vous étiez au Gabon. Donc, bienvenue au Cameroun. Je vais donc maintenant inviter monsieur le ministre des Mines du Cameroun à poursuivre l'exposé des mesures institutionnelles prises pour développer les affaires au Cameroun en ce qui concerne le secteur qui est le sien, c'est-à-dire le secteur des mines. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. These slides I would like will be legal and statutory frameworks of the mining, petroleum, and gas sectors in Cameroon. That's it. Okay. Where's the green? What do you use? Okay. So as you can see, normally I should get to the presentation about how safe it is to invest in Cameroon, guided by
the different codes, sectoral codes that guide the sector. But before that, I'd like to just give a glimpse of the potential, which of course will make the object of another presentation. But I thought it worthwhile to just show a bit of what Cameroon offers. We presently have mega projects. The presentation we have here as a brochure shows that Cameroon is an emerging iron ore belt, which is going to be host to the first transport corridor in Africa, which is going to involve Congo in future, we don't know, Central African Republic, and of course, a very good track for Gabon, which will end up in the deep sea port in Kribi. So that is the kind of potential we're looking at. There again, you see the type of prospects we have. That is a general indication of what you have in Cameroon as minerals, which again you see different indices, which the main ones you have iron ore, which is an object of very big major transactions. The Kam Iron Project will be developed at about worth of $5 billion. Recently, the Kaminex project around Kut was traded away for about $200 million. So a lot of big transactions are taking place in the sector. And of course, you also look at bauxite. The director of economy told you Cameroon is, after Guinea in Africa, has the second largest reserves of bauxite, which is over a billion tons, and is currently being developed by a consortium. But there are opportunities also in other areas, in Fongo Tongo. This is how much interest is shown. All of that you see, it's how much people have taken up different parts of the country for exploration. So there are different types of stages of exploration. You have licenses that are ongoing. You have those that have mining leases. You also have those under application. And there are parts of Cameroon where if you drive for 300 kilometers, you are traveling on people's concessions. So it shows that the activity is intense and the interest is very high. Again, these are a few figures which we just show you about the reserves we have, which you will look at the main things there. Cameroon boasts the largest nickel cobalt deposit in the world, lateritic in nature. As you know, most of the cobalt in the world comes as a byproduct of cobalt, of copper and nickel, mostly from Democratic Republic of Congo and Zambia. But the one in Cameroon is a surface phenomenon and is the largest of its kind in the world, and is presently under development jointly by Geovic of America and a Chinese consortium, JXTC. There you see other, the bauxite I've put, uranium, tin, gold, diamond, rutile. These are those under direct investigation present. And again, as you see there, this is just one of our key projects, the Mbalam iron ore with the resources and reserves. That is exactly the kind of iron ore you have. You have what we call the direct shipping ore, DSO, which is iron ore that is very high grade quality that from exploitation is exported directly. And that's going to make the mainstay of the company's life for the first 10 years of production. So this is an advanced project, and we believe that the final stages of putting the finance together are done, and that we'll be seeing the project, which has an infrastructural component of almost $2 billion on the move. This, again, you see is what I was saying, the possibility, but not just that, but this is the Central African
transport corridor. You look there, you see a lot of spots, in Kut, you see Mbarga, you see Nabeba in Congo, you see the Belinga deposit in Gabon, which has possibility of using this very corridor. And you see other deposits, you see the Mamel of Kribi, which is right there. So that is a regional transport corridor that is being developed. And from Mbarga to Kribi is about 500 kilometers. And of course, our head of delegation, Minister Motaze, will tell you that the Kribi port, which he has been personally supervising, is almost done. And a mining segment, a mining terminal will be added to that port. So that is a kind of what you're seeing. So I just thought I should give you this perspective to tell you that if we have a code, it's because we can boast of some of the largest projects in the mining sector under development in Africa presently. The mining code, again, the basics of the mining code, I'm not going to read to you what the mining code is about. I'm going to give you the highlights. And a lot of the mining codes in Africa were adopted and developed with the involvement of the World Bank. This one in particular started in 2001, and it's been the object of a modification in 2010. Again, we have a lot that gives the investor what you see along in Burkina Faso, in Ghana, in Mali. A lot of those codes were done with the involvement of the World Bank. But I dare say that we've gone into Cameroon to even fine-tune it in 2010 to make sure that we facilitate a lot of things for investors that come in. So as you can see there, I'll go straight to the main aspects of the mining code. You have the mines, industrial and artisanal. You have the quarries. Again, you have industrial and artisanal quarry. You have the mining and thermal waters, and then you have geothermal sources. As you know, everywhere in the world, everything that is below the surface of the earth, about 6 meters, belongs to the state. And the state is a sovereign guarantee on behalf of the people of that nation. That is a basic tenet of mining codes all over the world. So the state manages those resources for the people of that nation. So this is how easy it is. When you apply for a mining exploration license, if three people apply, the first to apply is given priority. And this is how simple it is. And after 45 days, if you don't hear from us, you can know that your document is in very good handling and you don't have to worry. So the gestation time is very good. And there are no other complications. You have to be a corporate entity, of course, and respect the laws of company incorporation in Cameroon. So this, again, these are a few things which are normally you'll find in most mining codes in the world. But I would rather just show you quickly this table, which will tell you exactly, which is what everybody will want to know. We have three types of permits. The reconnaissance permit, exploration permit, which will take you to a mining lease. And the reconnaissance permit is for a year. The distances are there, 500 square kilometers. It's renewable, issued by the minister in charge of mines. An exploration permit allows you to explore for 3 years. It's renewable twice, and again, is given by the minister in charge of mines. After the renewal period, you have to size down to 50%. Again, we do this more to keep in line that you should know what you're looking for. If you are exploring and after 4 years, you cannot size down,
it shows that you are not a serious player. So after about, in the new code, 7 years of exploration, you should be able to identify a resource, and then you will pass through a mining convention, which gives you special facilities and terms depending on your project. For example, the Minister of Finance might decide on the size of your project to give you special tax concessions. So there again, the mining convention is negotiated between the prospective miner and the state. And when that is done, you get a mining lease, which is signed by the President of the Republic, and which allows you to function for 25 years. Presently, the Kamayon project is has a conditional mining lease, which is almost going to be fulfilled. We also have the Cobalt Nickel project, which is having a mining lease. We have other projects lined up where mining conventions are being negotiated and which will end up in a mining lease. So that is how easy it is to, it's made so simple. Again, I'll show you another part, which is something that is raising a bit of, we have the artisanal sector, which normally is the reserve for Cameroonians. It's supposed to be a backyard activity for people in that area. But of recent, many Cameroonians have sought the assistance of foreign companies to assist them on a financial equipment lease basis. And so you have a lot of vast artisanal operations for gold. I dare say that recently we have tried to put some order, and that we just statistically found that we could produce 100 kilograms of gold from artisanal mining alone. And as of this month, the state was able to get its own contribution from that. We should be expecting about 10 kilograms of gold under the new dispensations of the law, which allows the Ministry of Mines to recover what belongs to the state on behalf of the Minister of Finance. So this is to say that there's a lot of gold in Cameroon, and in fact, we've started a program which might even be a very special program where we want the private sector and the universities to come together. And we believe that the private sector will try to fund research in this direction. And we believe that we should be able to find a source, primary source of this gold, which if you have 100 kilograms of alluvial gold a month, the source, or the primary source, must be very huge indeed. So we believe that there's a very big perspective, and there are a number of companies exploring for gold, but we believe that this tells a very great story that a big player should know that Cameroon should host very huge primary deposits. Here again, this is a lot of things. Under different regimes, the exploration permit allows you to come in with equipment free of charge, which you don't pay duties, and these are all advantages, fiscal and custom advantages, quite numerous. So when you're exploring, you don't have any, if you bring in your equipment, you don't pay any duties, and you don't have, you are not levied to any taxes. And all your exploration expenses will be deducted from your corporate tax in the period of mining, because we consider that the exploration is a risk. So the government accompanies all companies in that risk. These are just some of the advantages, as I say, company tax, tax on industrial and commercial benefits, special tax on all these are exonerated for companies. Here again, these are other taxes. Even when you start mining and you are producing, you still have exoneration of taxes on duties for equipment. You have exoneration for replacements of equipment. Until your first commercial production, you have exoneration of taxes, all of this. And as I said earlier, all the money that you wasted in exploration will be deducted as tax holidays in the exploration.
So these are the kind of advantages. They are all enumerated there. And we have all this on specific websites which can be read in detail. So this, again, it shows the vast range of fiscal and custom advantages that await every investor. The Petroleum Code, again, it's very, very organized. We have the SNH, the National Hydrocarbons Company, rated as one of the best performing in Africa. It's won many awards in terms of its diligence about the sector. The Petroleum Code manages the upstream sector of the oil industry. And presently, we have all the big players. We have ADAS, we have Perenco, we have those in production, and we have other people in the sector who are exploring. Again, I want to say that the gas sector of Cameroon, we are talking of something like 23 trillion cubic feet of reserves of gas. And the government has found very diverse use of this gas in terms of fertilizer plants, in terms of generating energy, and so on. So this is how simple the sector is. The Ministry of Mines is the controlling authority, but the technical and executing authority is the National Hydrocarbons Company. And they have all the technical expertise. They have some of the best engineers trained from the best schools in the world. And there are no complaints so far as that sector is concerned. So again, we have just how simple it is. I think there I skipped something. Okay. So we have different types of partnerships. You have the, just like in the mining sector, you have the exploration permit, and then you have the concession agreement, which the state will sign. In some of the cases, the state gets involved to do partner sharing with the operators, and there are so many of such projects. Again, just back to the mining sector, the government has a 10-free carry through in every mining project, which means it's not given in terms of the commodity, but rather it's given as a dividend. It's a free carry through. In other countries in Africa, there are some countries that go up to 20% free carry, and I think Cameroon with 10% is one of the lowest in Africa as a carry through interest in the sector. So again, this is we have the downstream end of the sector, which you will have the distributors. That was the upstream sector. You have SADP, which is for stockage. You have Sonara, which is for refining. You have CSPH, which is the policy defining the kind of things about prices. So these are what I said, exploration permit, exploitation concession, and then the contract for petroleum sharing, which is the, concerning production. So these are the type of petroleum contracts you have. And the state comes in more to give guarantee and make sure that you are accompanied and there's no interference. And so these are some of the things you find. The holder of a petroleum contract benefits from all that you see there, the right to open accounts, the right to collect and keep abroad funds. I mean, there's no holding on your proceeds, which means you can manage and move funds per your needs. So there's no requirement about your funds being stored in Cameroon. These are all fiscal incentives, again, which are very diverse and direct. You can buy supplies, all that you see there. The state preserves the confidentiality of all documents, reports, and all that. So this is as liberal and as
as you can get with the sector in Africa. I think the SNH, as I said, has been commended well over. Is one of the most efficient national oil mining companies. There again, it's just a continuation of the incentives, importation, exoneration, supply of goods and provision of services, including studies. These are all incentives that people have. This again, it provides for contractual incentive measures, economic and fiscal company tax of 57.5%. This is finally, I'll just give you something about the gas code. Again, these are the different types of titles. These are the three sectoral codes which you have in the sector. That is the last one, which is the gas code. As you see there, you will find a type of titles and duration, acquisition, renewal, transfer. So concession of transport and distribution, which is 25 years renewable. That's what you pay to get it. And when you want to renew, that's what you pay. You have license for transformation, stocking, and exploitation. Those are all the different this thing. Recently, there was an amendment in Parliament again about the gas code, where the gas that comes out of surplus gas that comes out of petroleum products had to be managed by required percentages by the companies, which means all of it was not going to be burnt away, which was done with a lot of environmental concerns in mind, and also to make sure that those type of byproducts from the petroleum sector could also be beneficial in supplies for domestic gas. So this is, in summary, what the gas code is about. And again, it has its own incentives, which again, every investor in this sector is spoiled with incentives. And we have a lot of companies which have already signed concession agreements in order to supply gas to fertilizer plants and also to supply gas to the energy sector, like the Kribi power plant, or if you take the fertilizer plant, which has been carried out by a German company. So the gas sector is coming up very strongly, and we believe that it is these are all incentives, and I will not bore you much by reading each part of it, but to say that on the websites of these very places you can have this information. But it's to say that we have fine-tuned in all the sectors, be it mining, be it petroleum or the gas code, to give a little bit better than what everybody gives around us. And I'm sure you can check and you will prove me right. I want to thank you very much for your kind attention. Yes, thank you, Your Excellency. Nous allons terminer cette phase institutionnelle en suivant Madame Dibon, qui est ministre en charge de l'urbanisme et qui s'occupe donc de tous les dossiers relatifs aux logements sociaux. Madame la ministre. Je vous remercie, monsieur le ministre chef de délégation, de m'avoir donné la parole. Je vous remercie tous d'être là. C'est un honneur pour moi d'avoir à parler à ce panel d'un sujet qui est notre préoccupation de tous les jours. Il s'agit donc du ministère de l'Habitat et du Développement Urbain.
nous nous occupons de l'habitat et nous nous occupons du développement urbain, deux secteurs. Le Cameroun, comme la plupart des pays en voie de développement, connaît un taux d'urbanisme très accéléré. Et aujourd'hui, nous pouvons estimer le taux d'urbanisation continuellement en hausse. Il frôle à peu près les 52%. C'est assurément l'un des taux d'urbanisation les plus élevés, peut-être en Afrique du sud du Sahara. Il convient à cet égard de souligner qu'avec un taux de croissance aussi élevé, au cours des prochaines années, la projection du dernier recensement général de la population du Cameroun montre que le Cameroun comptera 22 millions d'habitants en 2015, avec près de 12 millions d'habitants en ville, soit 55% de la population totale. Il s'agit là assurément d'un atout indéniable pour l'économie et le développement d'un pays, dans la mesure où les villes constituent bien un pôle de croissance, tant au niveau de l'économie locale que nationale, internationale et sous-régionale. Pour peu que les instruments de maîtrise et de gestion de la croissance urbaine soient adéquats. Mais il faut aussi reconnaître que cela constitue également une contrainte et un défi dans la mesure où la conjugaison de cette croissance démographique fulgurante, l'urbanisation peu ou mal contrôlée et la crise économique de la fin des années 80 a été à l'origine d'une détérioration des conditions de vie des populations urbaines et l'aggravation de la pauvreté. C'est ainsi que le pays traverse depuis de nombreuses années une situation de crise urbaine qui s'est traduite par une occupation anarchique des espaces sans raccordement aux services de base. Cette situation a eu pour conséquence la dégradation généralisée de l'environnement urbain résultant de l'occupation des zones non édificandes, siège de l'habitat non planifié, non structuré, sous-équipé. Elle s'est également traduite depuis une vingtaine d'années par un déficit très criard de logements décents. Les éléments de la nouvelle politique de logement au Cameroun que le gouvernement est en train de promouvoir, cette politique a pour principal objectif l'augmentation de l'offre en logement décent et en parcelles constructibles. Il y a donc des objectifs spécifiques. Il s'agit de la réduction des coûts de construction de logements par des subventions ou interventions directes de l'État, de la prise de mesures d'allègement fiscal sur les matériaux de construction, l'encadrement et la stimulation de l'offre en logement et en parcelles constituées par les promoteurs privés, l'amélioration du cadre législatif, réglementaire et institutionnel en matière d'urbanisme et d'habitat, la prise de mesures incitatives permettant l'intervention des professionnels internationaux dans le secteur. Je pense que c'est pour ça qu'on est là. Le transfert de technologies dans la construction des logements de masse. La lutte contre la pauvreté par la création des emplois. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a entrepris la définition et la mise en œuvre d'une nouvelle politique s'appuyant sur le recentrage du rôle de l'État et l'adéquation de l'offre et la demande en augmentant le rythme de production des logements. Dans ce cadre, il y a eu au plan, des interventions au plan législatif, réglementaire, mise en place d'un arsenal juridique en matière de promotion immobilière, de l'habitat et de l'urbanisme, au plan des améliorations au plan institutionnel, au plan financier, fiscal.
Aujourd'hui, l'État est vers la recherche et le cautionnement des projets des opérateurs publics et privés du secteur dans le cadre des financements extérieurs, à l'instar de ceux octroyés par Shelter Afrique. Il y a la promotion et encadrement de l'épargne populaire de la filière informelle à travers des coopératives d'habitat en vue de l'offre de logements accessibles aux couches les plus démunies. Au plan technique et technologique, la prise des mesures en vue de la promotion et de l'utilisation des matériaux locaux à travers la recherche, création et diversification des unités industrielles de fabrication des matériaux locaux. Encouragement du transfert de technologies de construction de logements de masse à des coûts avantageux et l'intervention, je continue à insister, des professionnels étrangers. Au plan de la coopération, nous sommes en cours de négociation de plusieurs protocoles de financement de logements avec des partenaires étrangers. La prise des mesures de facilitation et l'encouragement des joint ventures entre investisseurs internationaux et des promoteurs immobiliers locaux. Notre cible continue à être les populations aux revenus réduits. L'objectif du gouvernement est a manifesté son intérêt dans ce cadre s'est concrétisé par le lancement d'un programme de 10 000 logements. Mais le programme global que le gouvernement a lancé est de 50 000 logements sociaux. Dans ce programme de 10 000 logements, le ministère est le maître d'ouvrage, mais il est assisté des maîtres d'ouvrage délégués, dont un bien connu qui est la SIC. Ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est la recherche des partenaires. Nous recherchons les intervenants dans les deux filières, c'est-à-dire dans l'habitat, aussi bien dans l'habitat que dans le développement urbain. Dans le cadre de l'habitat, nous avons besoin des promoteurs immobiliers et tous les intervenants du secteur. Les professionnels savent qu'il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de partenaires dans cette filière. Les promoteurs intéressés signent un mémorandum avec le gouvernement dans lequel le gouvernement prend ses engagements, que je vais vous citer tout à l'heure, et le promoteur immobilier aussi en prend. J'aimerais être précise dans mon propos. On parle de logements sociaux et logements sociaux. Il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion entre les logements sociaux et les logements économiques. Quand nous parlons des logements sociaux, ce sont des logements tout court. Mais qui bénéficient des subventions? Qui, dans notre cas précis, sont des subventions de l'État? Ça veut dire qu'un logement qui coûte 100 millions, l'État, parce qu'il est souverain, peut décider de le vendre à 10 millions et il devient à ce moment précis un logement social. Il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion, c'est un logement livré en l'État. Mais maintenant, dans le cadre de la construction et dans la promotion immobilière, nous avons des logements économiques, c'est-à-dire c'est en fonction des éléments de livraison. Si vous faites une maison qui a 4 murs avec un toit, elle sera livrée moins cher. Mais maintenant, si vous voulez y mettre du confort, c'est-à-dire dans les finitions, les prix montent en fonction de ce qu'on met dans le logement. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une confusion entre les logements sociaux et les logements qui sont livrés à des états de finition différents. Je vous parlais des offres d'opportunités. En voici une. Le Cameroun souffre de son déficit en logement. Nous commençons à avoisiner les 2 millions d'unités. D'un côté. De l'autre, nous avons des clients. C'est-à-dire, les Camerounais ont besoin de logements.
il y en a beaucoup qui sont prêts à acheter ces logements. Notre vivier de clients est aussi très lourd. Il faudrait donc que vous voyiez ici une offre, une opportunité d'affaires. Nous avons des clients, nous avons des terrains. Ce qui nous manque, c'est des promoteurs. Et qu'est-ce qu'on appelle promoteur immobilier? C'est le monsieur X qui est un coordonnateur. Il a un bureau d'études à la hauteur de toutes les études du domaine. Il s'entend où il achète du terrain. Qu'est-ce qui lui manquera? C'est des finances pour finir, pour monter son projet. Mais quand on regarde la façon de construire, il y a un problème qui se posera, c'est qui va rembourser le financement qui va être donné. Je vous répondrai que j'ai des clients pour vous rembourser. Parce qu'il y a un gros vivier de clients. Ce déficit de 2 millions, c'est bien des Camerounais. Et ils sont prêts aujourd'hui à acheter les logements que vous allez construire. Quand on regarde ce schéma, il y a le promoteur, il y a le bureau d'études qui va faire son business plan et sortir le prix de maison. Il y a le terrain parce qu'on a beaucoup de terrain. Le problème de terrain ne se pose pas au Cameroun. Même si vous l'achetez, il n'est pas cher. Quand vous l'avez acheté, vous le mettez dans votre business plan. C'est qui rembourse le terrain? C'est le client. Je parle sous le contrôle des banquiers qui me regardent. Ce n'est pas mon métier. Mais je suis en train de vous dire que pour être promoteur, on a besoin d'être un manager qui rassemble les partenaires, qui sont les bureaux d'études, les financiers, le terrain. Et une fois que tout ça est prêt, la maison est faisable. Mais nous avons même été jusqu'à savoir que dans ce chemin, le client est roi. Si vous avez des clients, vous pouvez devenir promoteur immobilier. Parce que c'est l'argent des clients qui rembourse l'argent de l'investissement. Donc, si je me résume, le point zéro dans la promotion immobilière, c'est se faire promoteur ou être promoteur immobilier, avoir du terrain, avoir un constructeur, s'entendre avec le financier pour votre business plan qu'il va financer. Mais que les financiers n'aient pas trop peur, parce que nous avons des clients. Au bout du fil, qui rembourse l'argent du financier, ce sont des clients. Et nous avons opté pour la prudence, c'est-à-dire la vente en état futur d'achèvement. Dès que vous avez un bon business plan et que vous sortez vos dépliants, on peut commencer à vendre sans que vous ayez creuser les sols. Ça, c'est pour rassurer nos financiers qui sont très, très froids vis-à-vis de notre projet. Vous pouvez financer. Nous vendons sur plan. Vous suivez le projet de vente sur plan et nous vous posons un fichier de client pour vous rassurer que votre argent sera remboursé. Notre banque de l'habitat donne le crédit promoteur à 3 ans, sur 3 ans. C'est-à-dire, quand vous êtes promoteur, vous prenez de l'argent. Nous avons fait des études et nous sommes sûrs qu'avant 5 ans, vous êtes remboursé. Donc, il ne faudrait pas mélanger le long terme des gros projets d'État, qui sont les ponts, qui sont les routes. La promotion immobilière, ce sont des projets de très court terme pour les promoteurs immobiliers, mais long terme pour les clients qui vont s'endetter vers les banques. Je m'adresse donc ici. Les financiers attendus, ce sont les banques. Non exclus les banques locales, monsieur Apekam, et aussi les financiers extérieurs. Nos clients, nous en avons, mais nous en avons aussi, nous allons en chercher dans la diaspora. Il y en a plein, puisque c'est la vente est en ligne. Maintenant, nous demandons à nos amis de nous donner un coup de main dans le know-how, c'est-à-dire les méthodologies de construction ont beaucoup changé aujourd'hui. On ne fait plus une dalle en 3 semaines, 4 semaines. Il y a des produits qui font qu'on fasse une dalle en moins de 2 semaines. Il y en a même qui le font en moins de quelques jours. On a des méthodes de construction avec tout ce que vous connaissez aujourd'hui, la polystyrène, tout ce que je ne cite pas, où on peut faire une maison plein pied en moins de 3 jours.
Je ne vous apprends rien. Mais je veux insister en disant que le Cameroun est prêt à acheter les maisons que vous allez construire et rassurez-vous que c'est du court terme. Pour le promoteur et le financier, c'est le court terme. Ce sont les acheteurs qui font du long terme, mais ce n'est pas vous qui achetez. Venez nous aider à les construire et l'État va s'approprier ces logements que vous avez construits. C'est nous qui les vendons et nous sommes sûrs de rembourser. L'État est solvable. On vient de vous le dire, les économistes l'ont affirmé. Je sais que si le message est passé, avant que je ne quitte le Canada, j'aurai beaucoup de clients dans ma poche. C'est pour ça qu'on est là. Dans l'autre domaine, je vais vous citer rapidement quelques projets structurants. Il y a l'autoroute Simalène-Yaoundé, c'est notre ministère qui le suit. Il y a deux grands projets qui sont la cité, deux cités du cinquantenaire. Une à Douala, qui est très avancée d'ailleurs, à la place de la cité des douanes anciennes. Nous avons conçu, fait concevoir 450 logements très haut standing. Quand on parle de logements, il ne faut pas oublier que nous faisons aussi du très haut standing. Tous les Camerounais et tous ceux qui veulent les logements peuvent passer dans les projets que nous encadrons parce qu'il y a tous les standings dedans. Mais la priorité est à ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, à Douala, il y a des logements très, très haut standing. Il y en a 450 sur la place de la cité des douanes. Et nous prévoyons un mall en bas. Ça, 450 logements. Le recasement a été aussi étudié sur le site de TZF. Nous avons conçu 350 logements pour ceux qui seront recasés. À Yaoundé, pour ceux qui connaissent, dans la vallée du Fundi, dans la vallée du CPR, il y a 15 hectares, on a conçu déjà 800 logements bon standing. Il reste encore, il y a 15 hectares. Donc, ce n'est pas le terrain qui manque, pour me résumer. Ce ne sont pas les clients qui manquent, monsieur les banquiers. L'État est là pour vous donner les garanties. Ce sont des crédits à court terme pour les financiers. Parce que quand on parle de 3 ans, je crois savoir que c'est du court terme, si je ne me trompe pas. Il ne faudrait donc pas qu'il y ait une confusion dans la tête de nos investisseurs et qu'ils viennent demander à l'État de signer des crédits de 20 ans avec des garanties souveraines. Je crois qu'on n'en a pas besoin pour la promotion immobilière, puisque à peine construit, les logements sont vendus. Je reste à votre disposition s'il y a d'autres questionnements. Monsieur le ministre, je vous remercie. Bien, nous vous remercions, Madame la ministre, pour toutes ces précisions. Nous en avons terminé là avec le côté institutionnel de notre intervention. Nous allons maintenant écouter des entreprises du secteur privé. Nous commencerons par Monsieur Mandeng Mathieu, qui est directeur général de la Standard Chartered Bank et qui est également le président de la PECAM, qui est l'association des banques. Ensuite, nous passerons la parole au groupement des entreprises du Cameroun, qu'on appelle le JICAM, et qui est représenté ici par M. André Fotso, avant de passer la parole à un investisseur canadien qui a fait confiance au Cameroun et qui est présent parmi nous, M. Blaise la société Blaise Énergie, qui va sûrement dire quelque chose sur comment faire les affaires avec le Cameroun. Monsieur Mandeng, vous avez la parole. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. It's a true honor for me to seize the opportunity which is given to me by the government of Cameroon to share an investor's experience, which in the case of Standard Chartered Bank is a compelling legacy story. Well, I would like to share this experience through three perspectives.
First of all, it will be a confirmation of the potential of the country, and it was laid out by the General Director Banduma. The second one will be the challenges and the way the country mitigates and overcome the challenges. And the third one will be, as I said, the Standard Chartered Bank Cameroon legacy story. First of all, confirmation. Yes, I am here to confirm that Cameroon presents, for any given investor, a true potential economically, whether on the mining sector, the oil and gas, the agriculture, without going into detail. Yes, the country also presents a real political potential by the way of 30 plus years of political stability and peace. Yes, the country also presents a real social potential by way of a young, dynamic, and bilingual population. Does that mean that everything is rosy in that country? The answer is no, of course. Cameroon being yet another African country. But the good thing about Cameroon is that the head of state, President Paul Biya, have decided to embark the country on a transformational journey of becoming an emerging economy by 2035. And for that, the government, under the leadership of the Prime Minister, Philemon Yang, in partnership with the private sector, the civil society, and the agencies, are working together to mitigate the challenges and the risk, both externally and internally, to help the country realize its potential. External challenges are rather recent. I'm sure you're all listening to news broadcast. They are about Boko Haram, about the Chileka and Ebola. Obviously, the government is dealing with that. I'd like to elaborate more on the internal challenges that are rather deeply rooted. And I would like to develop from five perspectives: governance, infrastructure, the business climate, the size of market, and the investment incentives. As I said, the good thing about this country is that the head of state and his prime minister and the government, in partnership with the private sector, the civil society, and the agencies, are working together to mitigate those risks. So let's start with governance. It's about a system where you have responsibility, accountability, transparency, fighting against corruption, independence, lack of conflict of interest, fairness, integrity, where you will have the priority to a collective agenda as opposed to selfish agenda. We will have the discipline of action and execution. So here, the government have put in place National Anti-Corruption Council, or agency, the National Agency for Financial Investigation, the SHOC, which is Change Habit Oppose Corruption, and in partnership with the private sector, the Business Coalition Against Corruption. Second point, infrastructure. It's about road infrastructure, the port, the seaport, the bridges, power. Power is a very important equation. The minister have said it, and I won't go into detail. But I just want to say that this country, Cameroon, with about 21 million inhabitants, have got today about 1,216 megawatt power capacity with the development that the minister have laid out. In fact, I would like to pause here. I'm sure most of you will be aware of the Power Africa initiative by President Obama, which was launched in July 2013, i.e. last year, where President Obama committed to invest $7 billion US dollars and challenged the private sector to add $9 billion to produce 10,000 megawatt incremental power capacity to help 20 million inhabitants in Africa to access power.
Of course, you will tell me, for those who are familiar with this initiative, that my country wasn't part, I mean, Cameroon wasn't part of the first wave of country, which was made of Nigeria, Ethiopia, Ghana, Tanzania, and Liberia. In fact, Ethiopia, they were here, so they were part of the wave one country. But just to put things in perspective, and you will see why Cameroon wasn't there. For instance, Nigeria, that was part of the first wave countries. Nigeria have got, from that report, 160 million inhabitants. Some will say 170, but 160. Total power capacity in Nigeria, 4,000 megawatts. Cameroon, we've got 20, 21 million inhabitants, power capacity, 1,000. Which means that the power per capita for Cameroon is actually better than Nigeria. But it's not an excuse, since there are a lot of projects to enhance that power capacity. The minister has said that, I won't go into further detail. The business climate, third challenge, is about, you know, the 10 World Bank doing business criteria, opening up a business, accessing electricity, protecting investors, registering properties, accessing finance, executing contracts, trading across the borders, resolving insolvencies, hiring personnel, etc. And the good thing here is that although Cameroon is not ranking that well, because in fact we were 169 out of 183 countries, but there is the Cameroon Business Forum, which I'm sure President Fortso will talk lengthy about, the private, public-private sector partnership. As I was saying, there is an infrastructure, the Cameroon Business Forum, which is meant to actually help enhancing this ranking. This is a forum where you have the public and the private sector coming together under the leadership of the Prime Minister and with the technical assistance of the IFC to actually help improving the country's ranking. Four, the size of market. Of course, when you're coming from a country like Canada, such a large country in terms of geography, but even in terms of population, and you're looking over a market for like Cameroon, we are 20 million, it is true, inhabitants, 2021. But if you broaden it to the CIMAC and include other neighboring countries, it may become a very interesting market. But here again, because we have some challenges in real life, the government is doing, I mean, that's why we're also happy to have the Gabonese minister here. The government is working to enhance and to actually foster the regional integration and make it real. And then finally, investment incentives. You've heard a lot about the investment incentive. I won't go into detail. I'd just like to put things in a bit of perspective so everyone understands that we are coming from a system where you used to have 1, 4, 14 different investment incentive systems inherited from the 2002 investment code, and that was actually adjusted in 2004, into a single, unique, simple, predictable investment incentive framework granting tax, administrative, land, financial incentives, as was said here. And one particular aspect, being a banker, was actually the possibility to operate a foreign currency account, which would be very, very compelling for any foreign investor. So that's it about, as I said, both the risk and the challenges and the mitigants that are put in place by the government, the private sector, the civil society, and the agencies to help this country realize its full potential. The third and the final part of my presentation. In that context, Standard Chartered, that have been trading profitably in this country over the last 26 years, have actually written a compelling legacy story. Yes, we operate a WB, a wholesale bank-led single business model, focusing on combining our deep local market knowledge and insight with the bank's international expertise to offer value-added solutions to our customers, whether national or foreign investors. Through a fairly simple participation strategy, with the focus of industries like infrastructure, power in particular,
mining, oil and gas, telecom, agriculture, food processing, with customer segment clearly defined, global corporate, local corporate, financial institutions, and some of those companies are Canadian, by the way, and also solutions that are actually the full range of wholesale banking solution. And Standard Chartered defined 5 strategic priorities that we're able to realize in this country. First one, we said, we'll deliver a superior financial performance by way of double-digit growth in revenue and profitability. We said we'll massively multiply leadership capability by turning managers into true leaders. We said we'll continuously improve the way we work by making things simpler, faster, and better for our customers. And we said we'll reinforce our right partnership with the government, the regulators, and the communities. We've delivered on all those priorities. I won't go into detail. I'm available for further detail, but I just want to say that we've registered a CAGR of 41% over 5 years in revenue and 61% in trading profit. We've made Cameroon the hub of West Africa operation of Standard Chartered, excluding Nigeria and Ghana. We are now chairing the Bankers Association, as the minister said, helping enhance the banking ecosystem and developing the financial infrastructure. In conclusion, just like you have 3 C's driving growth in Africa, i.e. commodities, corridors, and consumptions, you have the same 3 C's driving growth in Cameroon. Just like you have Africa, a continent that has moved from a hopeless continent 10 years back, to a continent on the rise today, you have Cameroon following the same path, moving from a country, hopeless country 10 years back, to a country on the rise as we speak. Which means the time to come and invest in Cameroon is now. That's why I would like to, yes. That's why I would like to end this presentation by quoting a singer. I like quoting this lady. For those of you who are familiar with soccer, you will remember that during the 2010 World Cup in South Africa, Shakira once sang, "It's time for Africa." I would like to say, yes, it's time for Cameroon. Come and join the game. Thank you very much. Merci, Monsieur Mandeng. Nous avons appris 3 choses avec vous. C'est bien d'investir au Cameroun, première chose. La deuxième chose, tout ce que la Standard Chartered Bank fait. Troisième chose, votre amour pour Shakira. Nous allons maintenant inviter Monsieur Fotso, le président du JICAM, à prendre la parole. Monsieur Fotso. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs, je pense qu'il est essentiel pour tout investisseur d'avoir une idée sur la qualité de la relation entre l'entreprise et les pouvoirs publics. Et l'objet de mon intervention ici, devant vous cet après-midi, et de vous entretenir sur la qualité, justement, du partenariat qu'entretient le secteur privé et le gouvernement du Cameroun. Très bien. Alors, ma présentation va s'articuler essentiellement et très rapidement autour de 3 points. Je vais vous dire un mot du groupement interpatronal du Cameroun. Très, très rapidement. Je vais naturellement mettre le focus sur la qualité du dialogue entre le secteur privé que je représente ici avec le président de la Chambre de commerce, qui est un dialogue plus dense et mieux structuré. Et enfin, je vous entretiendrai sur les principaux résultats de ce dialogue.
Alors, DIGICAM, qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement ? D'abord que c'est une organisation patronale qui, de référence qui défend et qui représente les entreprises. C'est une très vieille organisation patronale puisqu'elle a été créée en 1957 et qui compte aujourd'hui plus de 400 membres et qui représente, c'est pour cela que c'est la plus grande organisation patronale de notre pays, à peu près 75% du chiffre d'affaires de l'économie formelle. Alors, depuis quelques années, nous nous sommes mis aux côtés du gouvernement pour mobiliser tous les acteurs, aussi bien du secteur privé auquel nous appartenons que du secteur public, pour gagner au moins un point de croissance chaque année, de façon à rejoindre nos amis éthiopiens qui sont déjà à 11% dès 2020, si possible. Et nous y travaillons donc ensemble dans le cadre de ce dialogue public-privé. Évidemment, nos missions sont certes de représenter et de défendre les entreprises, mais aussi d'offrir des services aux membres. Et je m'arrêterai un instant là pour dire que nous avons un centre d'arbitrage qui permet d'accélérer la recherche de solutions quand il y a un conflit entre deux entreprises dans notre pays. Nous avons une cellule de lutte contre le commerce illicite et nous avons une cellule également qui accompagne les PME dans le cadre de leur mise à niveau et du renforcement de leurs capacités. Nous nous impliquons, et c'est également le rôle qui est le nôtre ici aujourd'hui, fortement dans la promotion de l'espace économique de notre pays. Je voudrais simplement à ce sujet dire que nous avons créé au sein du GICAM une cellule qui accueille, qui informe et qui accompagne les investisseurs qui viennent et qui font confiance à notre pays et qui se joignent à nous pour l'accompagner sur le chemin de l'émergence. Alors, comme je l'ai dit en liminaire, cette plateforme entre le gouvernement et le secteur privé est extrêmement dense et mieux structurée. En quoi est-ce qu'il est dense ? Je vais juste rappeler quelques indicateurs pour dire que nous avons une approche de plus en plus systématisée dans tout ce qui est conception des politiques et des stratégies économiques de développement dans notre pays. Pour vous rassurer, le secteur privé et dont l'entreprise est bien acceptée et reconnue comme moteur de la croissance et garant de la cohésion sociale. Je l'ai également dit, nous sommes aux côtés du gouvernement dans tout ce qui est recherche, dans de solutions pour booster notre croissance. Et le dernier indicateur, c'est que nous organisons non seulement, comme toute association, des assemblées générales, mais aussi on a un forum qui s'appelle des dîners-débats que nous organisons tous les 3 mois. Et à l'occasion donc de ces manifestations, nos frères et sœurs du gouvernement viennent avec nous au GICAM pour échanger sur certaines problématiques d'actualité. Merci. Merci, Déjeuner, ça va aller. Alors, je disais également que ce dialogue aujourd'hui est mieux structuré, c'est-à-dire que nous nous sommes engagés à faire d'une priorité essentielle, la culture du résultat. Nous retrouvons, mais nous inscrivons l'atteinte des résultats comme étant une exigence essentielle. Et comme je l'ai dit, c'est des réflexions aussi bien sur les textes réglementaires. On vous a parlé de la loi sur l'incitation à l'investissement. Nous nous sommes fortement impliqués dans l'élaboration de cette loi. Il a été évoqué également celle sur les zones économiques. Nous nous sommes également investis fortement dans la conception de ce texte. Et donc,
mieux structurer ces dialogues. Dans le cadre également de nos plateformes, nous décidons d'un certain nombre d'actions. Dans le cadre de matrices d'actions que nous élaborons, nous travaillons à nous assurer qu'il y ait un suivi après donc la validation de ces matrices d'actions. Je vais juste vous indiquer quelques plateformes parmi les plus emblématiques. Il y en a trois, mais je pourrais en citer une quatrième. Alors la plus importante, qui est portée par le chef du gouvernement lui-même, le Premier ministre, s'appelle le Cameroun Business Forum, qui a vocation à travailler en permanence sur tout ce qui peut améliorer le climat des affaires dans notre pays. Et nous sommes soutenus dans cette plateforme, notamment par la Banque mondiale à travers la Société financière d'investissement. L'autre plateforme qu'il me plaît ici de citer, c'est celui qui lie le ministère de l'économie au secteur privé. Essentiellement comme centre d'intérêt, l'accélération de la croissance. Pour cela, nous avons identifié ce que nous avons appelé les niches de croissance dans notre pays, qui sont prioritairement l'agriculture, on en a parlé, mais aussi tout ce qui tourne autour de l'industrie agroalimentaire, les mines, le tourisme, l'immobilier et l'habitat, c'est pour ça que Madame la ministre a fortement insisté là-dessus, les infrastructures, cela a été également évoqué. Et donc, nous avons élaboré également une matrice d'action que nous nous attachons à nous assurer que véritablement elles sont implémentées. La troisième plateforme, et non la quatrième, la troisième plateforme que j'ai donc envie de citer, c'est celle qui nous lie au MINFI, qui est la plateforme la plus récente, qui a vocation à travailler, donc à anticiper et préparer ensemble les lois de finances annuelles. Et puis donc la dernière est celle qui lie le MINADER au JICAM. Donc la principale préoccupation est d'amener notre agriculture pour qu'elle en soit une seconde de, j'allais dire, moderne, avec donc, si possible, des acteurs qui soient beaucoup plus des industries de l'agriculture, avec véritablement des projets d'une certaine taille, qu'on sorte donc de l'agriculture artisanale et familiale vers une agriculture véritablement de seconde génération. Chez nous, nous avons essayé de contribuer, quand je dis chez nous, c'est au Cameroun, nous, le JICAM, nous avons essayé de contribuer à travers un projet que nous avons dénommé « Un patron, une plantation ». Nous sommes en train de l'implémenter et nous pensons que dès l'année prochaine, la culture du maïs et surtout du manioc sera certainement la première qui fera donc l'objet de la première réalisation de ce projet auquel nous tenons beaucoup. J'ai déjà donc évoqué les cadres de rencontres au sein desquels nous associons fortement le gouvernement. Alors, je vais vous entretenir sur quelques résultats récents. Alors, pour ce qui est de la simplification des procédures administratives, je ne vais pas tous les passer en revue, mais nous avons là quelques réformes importantes que nous avons apportées, auxquelles nous avons contribué à la mise en œuvre, qui participent donc de l'amélioration du climat des affaires. Je peux vous citer la mise en place des centres de formalité de création d'entreprises, qui est une réalité au Cameroun, la dématérialisation des procédures de commerce extérieur, la généralisation de paiement des droits et taxes par virement bancaire, la mise en place d'une plateforme de téléprocédure et le déploiement du projet e-regulation. Pour ce qui est des réformes qui vont dans le sens de l'accompagnement des investissements, je crois que vous l'avez déjà entendu ici, à l'introduction, le ministre
et chef de délégation est revenu sur quelques aspects, la loi qui porte incitation à l'investissement privé, celle sur les zones économiques, et il y a un ensemble de dispositifs qui, de plus en plus complétés et denses aujourd'hui, donc pour accompagner les créateurs de richesses qui souhaitent investir dans notre pays. Alors, toujours dans le sens de densifier tous ces instruments pour mettre le créateur de richesses à l'aise, pour ce qui est de la sécurité du foncier, je peux, et même du financement, je peux citer quelques procédures en cours. L'institution des chambres commerciales, pour ce qui est donc des litiges commerciaux. Je vous ai parlé de l'arbitrage au JICAM, la modernisation du cadastre et des procédures foncières. C'est une réforme emblématique qui est en cours. La structuration et le renforcement des capacités des entreprises. Nous avons en ce moment une activité très intense dans le cadre de la mise à niveau des entreprises, avec dans en perspective l'avènement de l'APE. Et donc, c'est un aspect également extrêmement important pour nous. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur la qualité du dialogue public-privé. Si vous souhaitez en savoir davantage, vous avez le site du JICAM. Et naturellement, je suis à votre disposition tout à l'heure et plus tard pour répondre à toutes les questions que vous souhaiterez donc nous adresser. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président du JICAM. Now, at this juncture, may I give the floor to Mrs. Edward, Mr. Edward, the CEO of the Canadian firm Blaise Energy. You have the floor, please. Thank you, Your Excellency. Ladies and gentlemen, thank you for attending this session. I appreciate the fact you had a choice of sessions to attend. I hope you find our experience in Cameroon interesting and consider it when you look to your future in Africa. I'm going to talk a little bit about Blaise and then tell you who we are and then our involvement in Cameroon. As with any presentation, a disclaimer is required because we are talking about the future. Blaise Energy was founded in 1995. The core management team has been together since 1989. We own and operate the second largest gas processing plant in West Central Alberta. Blaise Energy is a private company that takes its investments very seriously. We eat what we kill. So if we are not on a good path, we quickly change it. We are focused in four areas of operations: exploration and production, midstream, storage, and construction. Presently, Blaise is producing 5,000 BOE a day. We recently drilled a 4,800-meter horizontal well in the Devonian Formation. It was 3,400 meters vertical and 1,400 meters horizontal. The drill and complete cost of this well was in excess of $30 million. The completion was a 16-stage hydraulic fracture that was pumped 24 hours a day for 14 days. The graph shows the microseismic that was done on the well to show where the frack had broke through from one stage to the other. Our midstream operations are focused in West Central Alberta. The plant capacity, 185 million cubic feet per day, 510 ton a day of sulfur, 30,000 meters cubed of condensate. The products we sell are anywhere from C1 to C5 plus. This is similar to the GDF Suez project that is currently in feed stage in the Cameroon Kirby Port area. Blaise is currently building a gas storage facility near our West Central Alberta facility. It is a $280 million facility capable of storing 105 BCF.
It will have 48,000 horsepower compression and the ability also to strip all gas C2+. Blaze has over 130,000 meters cubed of storage tank building experience. Blaze has constructed over 7,000 kilometers of pipeline, ranging in size from 3-inch to 36-inch. We've experienced constructing in harsh conditions, cold Alberta winters, and difficult terrain such as muskeg, which is similar to mangrove. We have expertise building pipelines under rivers. We pride ourselves in leaving the earth as we found it, with minimal environmental impact. Recently, Blaze completed a 12-inch, 55-kilometer pipeline. It was started construction in November 2013 and was completed in April 2014. It was completed on time, on budget, at a cost of $35 million. We have started our next project. It's a 35-kilometer, 36-inch pipeline, and it'll have a cost of about $100 million. This cross-section shows a typical river crossing. It shows the boring technique for pipeline under any surface obstacle. Benefits of horizontal drilling are zero environmental impact, as opposed to open cut, and it's a safer technique. Open cut practices are more prone to environmental damage due to spills and leaks. The picture shows a pipeline being pulled through the liner that was installed under a river. To avoid yellow jacket damage, centralizers are installed on the production pipe to keep it away from the liner pipe. This picture shows a 24-inch line we ran in 2012. Some river crossings are more challenging than others. This crossing was over 700 meters long. It required three separate liners to prevent gravel bed sloughing. Alberta currently has over 3 million meters cubed of storage. An additional 1.1 million meters cubed will be added in the next 2 years. So coming from Alberta, we understand tanks. We have the technology and the know-how to build the best. So going to build tanks in Cameroon was a natural. Initially, I wanted to show you the pipeline network in Alberta. The first map, it was very messy. It showed all the lines over 3-inch. So it was very hard to see. So we narrowed it down to 6-inch and then again to 10-inch. There are 465,000 kilometers of pipeline in Alberta. Alberta is a global energy powerhouse because we have the reserves to produce and the infrastructure to bring it to market. Our training in Alberta is part of what makes Blaze a strong partner. We proudly highlighted Alberta because it's part of our story. We wanted to show that Cameroon is not much different in terms of landmass. There is ample opportunity for growth and expansion in Cameroon. Now is the time to develop the infrastructure required in Cameroon to help realize the goals of the future. And Blaze will be part of that frontier. We can tell you how good we are all day long, but as a testament to Blaze, Blaze is regulated by the Alberta Energy Resource Conservation Board, ABSA, or Occupation Health and Safety, and others. Blaze meets and exceeds the standards set. This graph shows the last ABSA audit that was done in 2013 and is redone every 3 years. Our last report card gave us a 97% rating. Industry average was 88%. Our pipelines are constructed and operated in accordance with strict safety guidelines. We do this just because, not because it's just the right thing to do. Sorry. We do this just to meet regulations, but because it's the right thing to do. In Alberta, $40 billion worth of oil and gas business is done each year. Calgary is the heart of this business. In a few blocks, you can get to know people and you can do deals with a handshake. Your handshake is taken as your word, your bond. Dealing in Cameroon is a little different. In fact, deals are done through MOUs. Having said that, we brought this same attitude to Cameroon. We view an MOU as a paper handshake. Since 2009, we have visited Cameroon over 40 times. We visited areas from Yaoundé to Kribi to Momfé to Garowa to Bafoussam. We toured the country learning about the culture and the business environment. We did extensive surveys of local capacities, including equipment, manpower, and expertise. Blaze opened our office in January 2013 as Blaze Energy Cameroon. Cameroon has a vision to become an emerging country by 2035. They have goals and strategies in place to do so. Blaze is committed to Cameroon.
Blaise is committed to aligning their vision and doing our part to help Cameroon realize their objectives. His Excellency, I wish to quote you by saying a quote of yours. Our most urgent challenge is to increase the supply of energy to satisfy the increasing needs of the population and meet the corporate demand. Blaise has begun exploring gas flaring opportunities in Cameroon through talks with SNH. After an unsuccessful pipeline build in 2012, Blaise began to be aware of SEDP and their desire to increase infrastructure and storage of petroleum products in Cameroon. Blaise submitted an expression of interest to SEDP to build new tanks and help resolve their security stockpile shortages. The expression of interest led to relationship. Over time, Blaise provided information and expertise to SEDP to develop trust and grow future opportunities. After a certain degree of confidence was earned, Blaise was invited to talk to SEDP about expansion. In 2012, we were successful in our bid to SEDP to build three storage tanks in Yaoundé. The Yaoundé Depot expansion project was a great success for Blaise and for SEDP. The project cost was $7.6 million. We built a diesel tank for 6,300 meters cubed, a gasoline tank 6,300 meter cubed, a water tank 2,000 meters cubed, firefighting system, revamping the generator layout. Blaise conducted a comprehensive due diligence process by interviewing Cameroonian companies. Blaise identified vendors who had the skill and expertise we required to achieve the high standard we hold ourselves in Alberta. Blaise found more expertise than it has anticipated. In some instances, we found we were unable to partner with all the experienced companies, but we are looking forward to working with them on future projects as the groundwork has been laid. 95% of the workforce we used were local Cameroonian companies. We shared new technologies, skills to those working on the job. We completed the project on time, on budget, ahead of schedule by 2 months. The main goal of the project was realized. We gained the support of the community. We learned how to work with the community and the government agencies and in accordance with Cameroon law. Once again, 2 months ahead of schedule, on budget, and zero safety incidents. This project was a huge step forward establishing Blaise in Cameroon. As Blaise, we look forward to bringing success to a larger scale project. Our strong relationship with SEDP led to a signing of an MOU. The MOU was signed July 13, 2012 in Yaoundé. A summary MOU was signed in Edmonton, Alberta, with Alberta's Energy Minister, Ken Hughes. Projects included in our MOU include the construction of three new petroleum storage facilities and construction of a national network of pipelines linking Limbé, Douala, Kribi, and Yaoundé. Blaise views the signing of the MOU as a great step forward for fueling progress in Cameroon. Blaise will be signing a PPP contract with the government of Cameroon for the project in the MOU with SEDP. Projects will be completed through a build-own-operate transfer. Blaise is working with CARPA, which is an agency that assists and oversees all PPP contract negotiations. Blaise is also working with CPIC and the Ministry of Energy to ensure the proper steps are taken to realize our projects. The development phase of the PPP contract in Cameroon. Blaise's work through phase one is now in a pre-qualification stage. There are steps and processes in Cameroon that must be adhered to. Goal of the Kribi Hydrocarbon Terminal is to construct the Kribi storage complex and to link it from Kribi to Yaoundé via pipeline to enable supply of product to the capital and beyond. The Kribi-Yaoundé pipeline is the first stage of linking Limbé, Douala, Kribi, and Yaoundé. The Kribi Hydrocarbon Terminal is part of the Kribi Port and Industrial Complex, which is over 26,000 hectares of land near the new Kribi deep sea port. It's forecasted to handle 3 million tons of petroleum products per year. The Kribi Storage Complex will include a berth capable of receiving 70,000 ton tankers, over 30 storage tanks for gasoline, diesel, jet fuel, fuel 1500, kerosene, and LPG.
This video shows the devastating effects that can occur when proper tank spacing is not respected. Blaze has a strong safety record. Both Cameroon and Canada have world-class safety regulations. Blaze is committed to exceeding standards by adopting the most stringent of safety requirements between our countries. Safety is top priority. Once again, during our 55-kilometer pipeline construction, there were no lost time or safety incidents. And as well, with the Yaoundé tank expansion, there was no time lost due to safety instances. This land was attributed in January 2013 for the Kribi Hydrocarbon Terminal. 104 holes were drilled 16 meters deep. 55 holes were cored. Geotechnical analysis was fully completed for a detailed civil structural engineer. The holes were drilled to a depth of 16 meters to evaluate water levels, soil quality, density, and pressure. The result of the FEED study is that the KHT is an excellent project. Blaze is very happy to be partner of SEDP and a part of Cameroon Vision 2035. Once the Kribi storage complex project is complete, storage capacity in Cameroon will double. Petroleum product sales in the existing SEDP facilities are expected to increase 5% a year from 2011 to 2026. National security stockpile is currently less than desired. It has been mandated to be increased. Ultimately, once the KHT has been built, the KHT will enable Cameroon to become a hub for petroleum in the region. The Kribi Yaoundé pipeline is actually a number of pipelines. Blaze will construct 4 bidirectional single-phase pipelines for diesel, gasoline, LPG, and water. Both the diesel and gasoline pipes will be 12-inch, and the LPG will be 8-inch. The pipelines will be 280 kilometers long. These pipelines will link the Kribi tanks to the Yaoundé tanks. Each line is capable of moving 12,000 meters cubed of product per day. We did our research in economics. We found building dedicated pipelines for each product was the best solution. In the long term, it is the most economic. The numbers show it would be 7.2 times cheaper than operating expenses for a multi-product pipeline with no batching pig. Capability to pump 2 products simultaneously and reverse the flow of the pipelines without any issues. Building pipelines now provide the infrastructure that we required for the future to help Cameroon meet its energy needs. Investing in the KYP now is investing in the growth and prosperity of Cameroon and for the future. Pipeline provides instant transmission of product. Product can be sent to Kribi, to Yaoundé, whenever it's needed. With the proposed line, you can fill 2 to 6,000 meter cube tanks a day. The cost of transportation petroleum products through a pipeline is more economical. Trucking is 116 CFA per meter cubed per kilometer. Pipeline cost is 17 CFA per meter cubed per kilometer per liter. For Blaze, it's important to operate responsibly in our environment to have a positive social impact. Our operations in Cameroon will provide job creation, training, technology transfer, and access to potable water. Job creation will be 5,000 direct jobs during construction, 250 permanent jobs, 50% of the workforce will be local Cameroonian. Blaze has already provided training to several Cameroonians in our Alberta facility. Our training program is aligned with the goals set out in Cameroon Growth and Employment Strategy Paper, which seeks to educate the workforce using extended education and hands-on experience. State Polytechnical in Calgary, Alberta has a long history of technical hands-on education and training for various industry sectors, including oil and gas. State experience, expertise, and state-of-the-art labs have helped organizations and communities around the world to train and develop their employees. Through our training programs, many Cameroons will have the opportunity to develop specialized skills. However, this is not enough. Available technology and equipment is required to be able to utilize these skills. Equipment used in our operations can be transferred to Cameroon. For example, horizontal directional drilling equipment could be used to drill water wells. We have a Canadian partner who is willing to move equipment to Cameroon, work with the Cameroonian project for 2 years, train the Cameroonians to operate the equipment. Once the project is done, the equipment will remain in Cameroon and the local Cameroonian will be allowed to invest in this equipment as owner-operator. Blaze will construct 200 kilometers of water pipeline in the same right-of-way as the gasoline, diesel, and LPG lines.
This pipeline will provide potable drinking water to as many as 2 million Cameroonians. Blaze welcomes interest from other Cameroonian entities who would like to use this trench to improve other services in Cameroon. One example might be fiber optics. Blaze Energy is committed to Cameroon. Today, tomorrow, and tomorrow's tomorrow. Canada recognizes the importance of developing trade in Cameroon. Blaze Energy is ready to move forward in construction of the entire KHT project. The time is now to begin fueling progress in Cameroon. Blaze welcomes other Canadian companies to join us on our path. Thank you. Thank you so much, Mr. Bills Edwards. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette phase de présentation de l'économie du Cameroun, de ses potentialités, des incitations qui sont offertes aux investisseurs potentiels et, comme nous l'avons entendu à la fin, de l'expérience d'une des entreprises canadiennes déjà installées au Cameroun, expérience que nous aimerions voir s'étendre à d'autres entreprises. Avant la fin de notre rencontre d'aujourd'hui, nous accepterions quelques questions si tel est votre souhait. La parole est à qui veut la prendre. Merci. Merci, Madame. Merci, Messieurs, pour ces présentations. Mon nom est Benoît Lassalle. En plus d'être président du Conseil canadien pour l'Afrique, je suis opérateur minier et dans l'énergie en Afrique, avec des opérations dans plus de 10 pays. Depuis longtemps, on pensait au Cameroun comme une destination intéressante. J'aurais une question pour Monsieur le ministre de l'Énergie. En Afrique, dernièrement, les gouvernements ont eu l'idée d'aller vers des appels d'offres pour les énergies renouvelables. Alors, au lieu de faire des ententes de gré à gré avec des opérateurs reconnus, ils sont allés en appel d'offres et le résultat a été catastrophique, ce qui a donné lieu à des annulations d'ententes PPA, de Power Purchase Agreement, et aucune centrale n'a été construite. Est-ce que chez vous, dans votre législation et votre approche, vous accepteriez de faire des ententes de gré à gré avec des ententes de transparence sur la compréhension des coûts, le coût des intrants, le coût du capital et le coût de l'énergie, et pour en arriver à une entente PPA, donc avec le gouvernement, et la construction de centrales, soit solaire, soit biomasse, pour la Compagnie nationale d'énergie, ou est-ce que vous voulez vous aussi passer par le système des appels d'offres où les compagnies arrivent avec des propositions qui sont réalisables à l'occasion, mais pas souvent réalisables, et qui retardent le processus. Alors, je ne connais pas votre prédisposition pour le secteur et quelle approche vous voulez favoriser, une et l'autre étant réelles. Vous savez que l'Afrique du Sud a fait sa première phase avec des ententes de gré à gré, a fait une deuxième phase avec des ententes de gré à gré et une troisième phase avec un processus d'appel d'offres pour tout ce qui est solaire, si éolien, si c'est le cas, et biomasse. Merci. Merci beaucoup. Y aurait-il d'autres questions? Nous allons d'abord les prendre et puis les réponses vont être données. Y a-t-il une autre demande d'intervention? Oui, président Fotso. Merci. I would like to thank very much the quality of the presentation of the CEO of Blaze, and as well as his interest to Cameroon and to Cameroon
potential. I'm following very well all the presentation which was done. But I've seen that he have insisted on the jobs to be created during the project. But I didn't see any mention concerning the partnership that they can build with Cameroonian companies, because I'm here as the chairman of the Association of Cameroon Companies. And what I would like to mention is, if Cameroon has as a goal to emerge, it means that in the same time, it's not only create job, but also have a solid portfolio of local companies who have a kind of new know-hows in new technologies, in new way to handle a certain type of business. So please, I would like just to know if you, in your project in Cameroon, you have a part of building a new transfer of know-how to Cameroonian companies. That is the sense of my question. Thank you. Thank you, Mr. Fotso. Anybody else? Autre intervention? Bien, nous allons donc passer la parole pour les réponses. D'abord à Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Énergie. And I think you don't mind if we give you the floor for the question of Mr. Fotso, just after the minister. Thank you. Merci, Monsieur le ministre, de me passer la parole. Le président Lassalle a posé une question qui me semble très pertinente, à savoir si au Cameroun, il y a la possibilité des gré à gré. Je voudrais rapidement répondre à cette question pour dire que la règle, c'est l'appel d'offres. Mais il y a aussi des possibilités de gré à gré. La loi régissant le secteur de l'électricité que j'ai rappelée dans mon exposé prévoit des possibilités pour des marchés de gré à gré. Et donc, ce que nous faisons habituellement, c'est qu'on signe au départ un mémorandum d'entente avec l'opérateur concerné. Et après, cet opérateur peut engager des études qui sont transmises au ministère de l'Économie pour les diligences, pour la recherche des financements. Et surtout pour l'élaboration des contrats de partenariat public-privé, parce que nous avons un organisme au Cameroun qui s'appelle le CARPA, qui est justement chargé de ces questions-là. Mais en même temps, il y a également le régime de concession. Il est possible qu'on signe un contrat de concession. Et j'ai également rappelé dans mon exposé qu'on pouvait donner des autorisations pour construire des centrales électriques, produire l'électricité et vendre aux concessionnaires des services publics. Donc, pour répondre à votre question, je voudrais simplement dire que le gré à gré est possible dans l'ordonnancement juridique camerounais, surtout que notre ambition aujourd'hui au Cameroun, c'est de développer les énergies renouvelables telles que le solaire. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a une direction chargée des énergies renouvelables qui a été créée récemment au sein du département ministériel dont j'ai la charge. Donc, si vous voulez venir au Cameroun, construire une centrale solaire, il est fort possible que vous le fassiez sous forme de gré à gré. Donc nous vous encourageons à venir et vous trouverez les bonnes réponses à vos préoccupations. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Mr. Edward. Thank you very much. Thank you very much for the question. Blaze goes through an extensive due diligence when it hires companies, whether it's locally in Canada or whether it's in Cameroon. We have a platform that we want to use Cameroon companies. We have a mandate to use 50%, and for us to use more is better for us in the long term. So we look at companies local first, and then if we have to, then we look at the international side. We have a strong training program within Blaze. So if we think that it's a program that's going to go for, construction period is going to go for a year on a particular project, and we think we can train somebody that's local, we'll bring in somebody, an expat from Canada, to bring him in to train the relief. Because we always look at depth of expertise in our business. This project is a very large project, and there's a number of, it can easily be broken into a number of segments. So to have, two different contractors, three different contractors working on essentially on the same site or essentially in the same project is not going to be a problem. Once again, it's a boot. So once it's built, day one, the keys be turned over to SEDP, and SEDP is the operator. I hope that answers your question. Okay, thank you, Mr. Edward. Mesdames et messieurs, ne voyant plus de mains qui se lèvent, nous allons devoir arrêter cette session pour ce jour. Nous sommes encore ici à Toronto. Ça veut dire que ceux parmi vous qui souhaiteraient avoir des rencontres bilatérales avec la délégation camerounaise peuvent toujours nous le faire savoir. Et je tenais également à vous informer que la fiche des projets qui a été développée par le ministère de l'économie est à votre disposition, je crois, c'est à la sortie de la salle. Encore une fois, merci pour votre présence. Comme je vous le dis, nous sommes encore là, nous serons encore là demain et nous serons toujours prêts à vous accueillir. Bonne soirée et à bientôt.